Merhaba sevgili seyirciler. Aramızda Müzik Var ile yeniden birlikteyiz. Müzik yolculuğumuzun bu haftaki durağı Bordo. Burada bulunmamızın nedeni konuğum Suat Massi. Bu topraklar Kelt sakinleri tarafından M.Ö. 300 civarında Burdigala olarak bilinir. M.Ö. 60 yılında Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girer ve Roman Akitene'nin başkenti olur. Vandallar, Vizigotlar ve Franklar gibi kabileler Roma yönetiminin sonunu getirir, kaos ve yağma dönemi gelir. İsmi Burdigala'dan önce Bordeaux'a sonra Bordeaux'a evrilir. 1152 yılında 300 yıl sürecek İngiliz egemenliği başlar. Bordeaux'un hem boyutu hem de itibarı büyür. İngiliz egemenliği Kastilyon Savaşı ile sona erer ve bölgeye bir kez daha Fransızlar hakim olur. 18. yüzyılda Bordeaux altın çağına girer ve Avrupa'nın en büyük ikinci limanı olur. Ardından Fransız devrimi ve Napolyon'un imparatorluğu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edilir ve 1944'e kadar işgal altında kalır. Kurtuluştan sonra yeni bir gelişme dönemine girer. 2007'de evrensel değeri ve tarihi rolü nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsü verilir. 2015'te Avrupa'nın en iyi destinasyonu seçilir. Bordeaux, kültürel zenginliğini ve tarihi özgünlüğünü koruyarak yarınlara taşıyor. Bordeaux'un Güzel Sanatlar Müzesi küçük ama çok değerli koleksiyona sahip bir müze. Gelin birlikte gezelim. ...1801'de ressam Pierre Lacour tarafından kurulan Müze de Beaux-Arts, kısaca MÜSBA, Bordeaux'daki en eski belediye müzesi. Hem bölgesel, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde önemli bir kültürel aktör. Resim, heykel ve grafik sanatlardan oluşan kalıcı koleksiyon, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa sanatının önemli bir panoramasını kapsıyor. Ve 8200 eser ile Fransa'daki en önemli kamu koleksiyonlarından biri. Koleksiyonun geliştirilmesi, devletten alınan destek, bireylerden gelen cömert hediyeler, belediye ve Société des Amis du Musée'nin satın almaları ile uzun süredir müzenin temel misyonlarından biri olmaya devam ediyor. Koleksiyonda ağırlıklı olarak Fransız
ve Hollandalı ressamların eserleri yer alıyor. Perugino, Titian, Veronese, Bruegel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Picasso ve Matisse. Müze, neoklasik Lacour ve Taillason, sembolist Redon, fovist Marquet, art deco ressamı Dupin ve kübist Lot gibi Bordolu sanatçıların eserleriyle güçlü bir bölgesel kimlik yansıtıyor. Müspa, Fransız devrimi sırasında Fransızlar tarafından yağmalanan birkaç tabloya da ev sahipliği yapıyor. Müze koleksiyonu aynı bahçedeki iki güzel bina arasında bölünmüş. Güney kanadı 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki sanat eserlerine ayrılmış. Müzenin kuzey kanadı ise 19. ve 20. yüzyıllara odaklanıyor. Romantik dönem ile empresyonist ve naturalizm dönemlerini içeriyor. Koleksiyonda Renoir'ın iki tablosu yer alıyor. André Lhote'un birkaç eseriyle mükemmel kübizm örnekleri sunuluyor. Bordo Güzel Sanatlar Müzesi, ziyaretçileri için ayrıca zengin bir kültürel program ve dinamik bir arabuluculuk politikası sunuyor. Müze kapsamındaki önemli geçici sergiler ise yakında bulunan ve 1939 yılında inşa edilen Güzel Sanatlar Müzesi galerisinde ziyaretçilere sunuluyor. ...1973'te kurulan Çağdaş Görsel Sanatlar Merkezi, 1984'te Bordo Çağdaş Sanat Müzesi'ne dönüşmüş. 2002 yılında kamu yararına müze statüsüne kabul edildi ve Müze de France etiketini aldı. Müze başlangıcından bu yana miras listesinde yer alan Entrepôt Lene binasında bulunuyor.
1824 yılında inşa edilen bu eski depo, 1984 ve 1990 yılları arasında mimar Denis Valod ve Jean Pister tarafından çeşitli yenileme aşamalarından geçmiş. Şimdi yaklaşık 3500 metrekarelik bir sergi alanına sahip. Bordo Çağdaş Sanat Müzesi, tarihi boyunca yeni formlar ve yeni fikirler keşfetmeye hevesli sanatçılar ve ziyaretçiler için bir forum görevi görmüş. Aralarında Daniel Burin, Nan Golden, Simon Antai, Sol Levitt, Annette Messager ve Richard Serra'nın da bulunduğu 200'den fazla uluslararası sanatçının yaklaşık 1600 eseri müzenin koleksiyonuna katılmış. Bordo bölgesinin kültürel sahnesinde kilit bir aktör olarak müze, sergileri ve koleksiyonu aracılığıyla 20. yüzyılın ikinci yarısının temel estetik gelişmeleri ile günümüz sanatçılarının çalışmaları arasında bir köprü kurarak bu eşsiz mirası korumayı ve aktarmayı hedefliyor. Faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Quand faudrait-il qu'on porte ta route, des fleurs en bouquet, tout sourire fier? As-tu réchauffé le mendiant qui pense, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes toits? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras. L'orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui piaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? Es-tu innocent? Ne serait-ce qu'une fois, as-tu admiré l'aurore qui se lève, la nuit qui attend? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense,
tu deviendras moi. Choisis les poèmes que tu chanteras, pétrir la farine, puis cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas, souris en ami, montre le chemin. Tu verras peut-être la terre et le monde, et tu entendras monter les prières. Tu découvriras chaque seconde le soleil qui lui le dérive. Il y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel, et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Je suis très heureux d'être ici avec vous, Swat. Merci, moi aussi, c'est réciproque. Commençons avec ton enfance. Comment c'était ces années ? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi au sein d'une famille qui aimait la musique, qui nous a donné cet amour pour la musique. Tous les vendredis, on écoutait la musique traditionnelle, le chabi algérien, par exemple. Bon, oui. Et sinon, c'était la chanson française. Voilà, c'était un repas de famille, on écoutait beaucoup de musique. Et dans la famille, ton père ou bien ta maman faisait de la musique ? Non, ma mère, elle aimait beaucoup la musique, mais c'était surtout mon oncle qui faisait de la musique. Ah bon ? Il faisait jouer du jazz, de la musique classique. Mmh. Et j'ai mes deux frères, Hassan et Samir, qui sont musiciens aussi. Quand et comment tu as découvert ton talent musical ? Alors, j'ai commencé déjà dans le cercle familial avec mon frère à la maison. Et ensuite, j'ai intégré une association d'école des Beaux-Arts d'Alger où j'ai commencé à prendre des cours de guitare classique. Et c'est là-bas où j'ai rencontré des groupes qui faisaient de la musique et on a commencé à travailler ensemble et nous produire sur Alger. Qui a découvert ton talent ? Ah, c'est dur. Je pense que mon premier public, c'était ma mère à la maison. Ensuite, c'était grâce à la radio. J'ai chanté à la radio. C'était ma première chanson, Raoui. Et c'est là où le public m'a découverte. Quel âge tu as commencé à jouer de la guitare ? À 17 ans. Wow. 17 ans. Tu aimes jouer de la guitare ou bien tu préfères jouer un autre instrument ? Alors moi, quand j'étais jeune, je rêvais de jouer au piano, mais je n'avais pas les moyens d'apprendre le piano. C'était très difficile d'avoir un piano à la maison. Mais ceci dit, j'adore la guitare, j'adore le son de la guitare. Et c'était plus facile de se déplacer ou avoir une guitare à la maison. Ouais, tu aimes la guitare avec toi là, n'importe où, mais oui. Tu ne peux pas prendre le piano. Le piano, c'est vrai. Oui, c'est ça. Comment tu découvres ta musique ? Je pense que ma musique, elle est plurielle, elle est universelle. C'est un voyage. Comme j'aime toutes les musiques, comme je voyage beaucoup, comme je ne veux pas m'enfermer dans un seul style de musique, c'est une musique libre, j'ai envie de dire. Libre, sans frontières. Tu composes ? Oui, je compose beaucoup. Et tu écris toutes les paroles ? Oui, j'ai écrit 90% de mes textes. Enfin, c'est très bien parce que parfois le compositeur peut composer une chanson mais ne peut pas écrire. Hein? Oui, c'est pas. Je ne sais c'est pas, mais chance. En tout cas, oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais je le fais d'une façon très, très spontanée. Alors, tu préfères faire la musique sur le parole ou il y a vice-versa? Alors, c'est très difficile d'écrire un texte sur une musique existante. Je sais que tu es compositeur, c'est très difficile. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est très difficile. Je préfère écrire mon texte et ensuite composer la musique dessus. Moi aussi, je préfère ça. Voilà, c'est plus facile, je pense. Ça me montre le rythme de chanson.
Tout à fait. Les paroles. Mmh. C'est vite ou bien c'est balade, c'est quoi? Mais après, on a ça, mais à travers le texte aussi. Quand on a le texte, le sens de la chanson, mmh. on arrive aussi à lui donner un rythme après. C'est plus facile. Qui est ton idole musical? Il y a plusieurs. Comme j'ai commencé avec les classiques, moi j'adore Beethoven, j'adore Chopin, par exemple. Ah bon. C'est des musiques qui me parlent, qui me font voyager, qui m'apaisent. Souvent, avant de composer, j'écoute beaucoup la musique classique parce que ça me permet aussi de faire un peu, c'est bizarre, mais ça me permet aussi de faire le vide dans ma tête. Voilà, c'est les classiques. Après, c'est les grands standards, bien sûr. J'écoutais Tracy Chapman, John Baez, tout à l'heure. Très bien. Le blues aussi, le folk, Kenny Rogers. Tu écoutes beaucoup de musique alors? Ah, j'écoute beaucoup de musique, tous les jours. Quelles sont les chansons que tu aimes beaucoup? Ça dépend des périodes. Quelques exemples. Par exemple, j'adore de Beethoven Silence. Mm-hmm. Silencio, j'adore cette partie qui me fait beaucoup de bien. Ensuite, j'écoute beaucoup Césaria Ivoire en ce moment. Ah, j'adore cette chanteuse que j'ai déjà rencontrée. J'ai eu l'immense plaisir de la croiser lors d'un festival. J'adore ses chansons, j'adore sa voix. Je trouve qu'elle a une voix unique. Et mais là, en ce moment, je suis très concentrée sur la musique classique. Quels sont tes critères pour un concert satisfaisant? Pour moi, un concert satisfaisant, c'est quand avec mes musiciens, tout se passe bien, on prend beaucoup de plaisir. Et ensuite, quand on a un public qui est attentionné, qui est à l'écoute, qui réagit très bien avec les paroles et la musique. Et quand il y a un musicien qui joue une partie musicale, il la comprend, il réagit avec. Je trouve ça magnifique. Et surtout, moi, c'est quand je vois les sourires, c'est un très, très beau cadeau. Et quand tu vois tout le monde chante tes paroles, alors c'est vraiment... C'est magnifique. Oui, c'est magnifique parce que c'est vraiment un beau cadeau parce qu'on ne réalise pas quand on écrit une chanson. On est dans une émotion, on est dans un instant, une énergie. Et quand on a des gens qui reprennent ou qui chantent avec nous une chanson... En tout cas, qui fait partie de ma vie, ça me touche énormément. Et c'est un très beau cadeau. Et je crois qu'il y a une autre chose très importante. Sur la scène, la technique, pour que tout le monde écoute bien la musique. Hein. Bien sûr, parce que tu as raison. La plupart les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens, des techniciens derrière, les ingénieurs... techniciens lumière, les régisseurs, tous les techniciens qui font que le spectacle se passe bien. Et tu as un orchestre qui dépend à toi? Oui, oui, oui. Combien de personnes? Alors, on est 5 sur scène. J'ai un batteur, oui, avec moi. Je pense qu'on est... j'ai un batteur, Mokhtar Samba, j'ai un percussionniste à la Bahr Khalfa, un guitariste, Malik Kirouch, un violoniste, Mokran Adlani, un bassiste, Guy Songhi et moi. Ils sont toujours avec toi? Ou bien oui. Ça change? Normalement, non, ils sont toujours avec toi. Ils sont toujours avec toi. Ouais. Alors c'est très bien. Oui, c'est une chance. Oui. Parce qu'ils savent où tu respires. Oui, bien sûr. À force de jouer ensemble, il y a un rythme... Il y a de complicité, beaucoup de complicité mm-hmm. avec les musiciens. Quel est ton concert inoubliable dans ta carrière? C'est très difficile de répondre à cette question parce que j'ai eu des très très beaux concerts qui m'ont marqué. Mais il y en a un particulièrement qui m'avait marqué, c'était en 2007 en Égypte. C'était la fête de la musique. Il y avait 10 000 personnes à la place Saladin. Et c'était la première fois de ma vie où je chantais en Égypte. Et là, ils chantaient toutes mes chansons. Et même les notes et les mélodies, ils avaient appris ça par cœur. Et c'était impressionnant. Ah, c'est ça, c'est très bien. C'était vraiment un spectacle qui m'avait marqué.
Qu'est-ce que tu veux dire à tes fans turcs? Alors, pour mes fans turcs, ils me manquent beaucoup déjà. Ça fait un moment que je n'ai pas été en Turquie. J'adore mon public turc qui est très sensible à la musique, qui a une culture musicale très, très riche, vu où est-ce qu'elle est située, la Turquie. Et vraiment, je trouve que c'est un public qui connaît bien la musique occidentale et la musique orientale. Mm-hmm. Et cette double culture, vraiment, je la sens quand je joue. Quand je passe d'un style à un autre, je vois les réactions de public turc qui est différente. Et cela est dû à sa richesse musicale. Je crois que tu as donné beaucoup de concerts en Turquie. Oui. Quand tu viens encore une fois? Quand on m'appelle, avec plaisir, oui, bien sûr. Alors, nous vous attendons avec impatience. Hein. Merci. Ouais. Vraiment, merci. Tu chantes vraiment. Je crois que tu as beaucoup de fans en Turquie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que bientôt, on viendra avec plaisir. Et tu viendras chanter avec moi. Oui, oui. J'ai l'étoile. On va faire quelque chose ensemble. D'accord. Si tu viens. Avec plaisir. Alors, c'est une promesse. Ah, c'est une promesse. Pour tout le monde, hein? Oui. As-tu des nouveaux projets et plans? Les projets, je suis en train d'écrire, de penser déjà, faire mûrir l'idée des deux chansons. Mm-hmm. Je prends le temps, je la fais mûrir dans ma tête, je la construis dans ma tête comme un architecte. Ensuite, je la peaufine, j'écris, je pense à des arrangements de musique avant de prendre ma guitare. Et après, je prends la guitare et j'imagine le style de musique que je vais lui donner. Après, je vais être en tournée, j'ai quelques dates en Europe, à l'étranger, et j'espère bientôt en Turquie. Oui, oui. Est-ce que tu travailles avec un arrangeur? Alors, quand je commence l'écriture ou la composition, je travaille toute seule. Ensuite, je travaille avec mes musiciens, mon équipe. Mais le premier jet, toujours, je travaille toute seule. J'ai du mal à travailler avec quelqu'un au début, parce que je ne suis pas sûre de moi, j'ai besoin d'essayer des choses. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et même, j'ai besoin aussi de développer l'écriture pour pouvoir composer la musique. Ouais. Sinon, j'ai du mal. Parfois, on a besoin d'une aide. Bien sûr, surtout quand quelqu'un est très fort en mélodie, qui peut apporter des accords, parce que ça peut changer complètement la chanson, l'orientation de la chanson. Juste un accord ou deux, et on peut aller dans une direction artistique différente. Quelle est ton relation avec d'autres branches d'art? J'adore le dessin, j'adore... Tu peins? Non, quand j'étais jeune, je dessinais un petit peu, mais après, dès que j'ai commencé à jouer la guitare, j'ai arrêté le dessin. Pourquoi? De toute façon, je pense que j'avais pas beaucoup de talent dans le dessin, mais j'adore aller au musée, regarder les tableaux, j'adore voir les artistes peindre. Je trouve ça magnifique de pouvoir refaire vivre une image, un moment. J'adore l'art abstrait aussi, j'adore ça. L'art et l'artiste peuvent être influencés partout. Et il y a des choses vraiment négatives. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que nous vivons des moments difficiles, mais j'ai envie de dire qu'on a toujours vécu des moments difficiles, mais c'est juste notre mémoire qui nous joue des tours. Il y a eu des guerres, il y a eu des catastrophes, mais l'homme a toujours réussi à se surprendre, à dépasser tous ses problèmes. Et je pense que le rôle de l'artiste est très important. Il est là pour transformer les choses. Les rendre les choses belles aussi, parce que la beauté donne de l'espoir. Mmh. Et l'artiste est le miroir de sa société. Mmh. Et il a la responsabilité d'influencer les gens, de sensibiliser les gens, de leur donner du rêve. Mmh. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a vécu le Covid.
Les premiers temps, j'étais inquiète, comme tout le monde, parce que c'était l'inconnu, on ne savait pas vers où aller. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est par instinct, on fait confiance à la vie. J'ai commencé à écrire, à lire, à rêver, à aller chercher l'inspiration et à commencer à écrire des chansons. Enfin, comment tu as passé tous ces jours-là? Il a duré, je crois, 6 mois, c'est Covid. Nous étions tous à la maison. Ça m'a permis de me retrouver. Moi, je suis une artiste, je voyage tout le temps. C'est un moment aussi important pour s'occuper de soi, de sa famille, des gens qu'on aime. Enfin, tu trouves le temps pour faire les choses que tu n'as jamais faites. Tout à fait. Et là, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance d'être libre, de cette liberté, parce qu'à un moment donné, on nous l'a enlevée. Et c'est là où il y a une réflexion, qu'est-ce qu'on est dans ce monde, c'est quoi le but de cette vie, pourquoi on vit. Et c'est là où je pensais à une seule étoile. C'est après ça qu'elle est née, cette chanson. J'ai discuté avec un ami, je lui ai dit, moi j'ai envie d'écrire sur ce qu'on est en train de vivre, d'aller à l'essentiel, de penser à l'autre, de ne pas être égoïste, de tout faire pour garder son humanité. Qu'est-ce que tu penses du monde digital? Pour la musique, on en a besoin parce qu'il faut être avec son temps et pour travailler. Mais je préfère le son à l'ancienne parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu son âme. Il y a des sons qui me gênent dans le digital un petit peu. Si j'ai une préférence, je préfère écouter sur un vinyle ou des vieilles cassettes, même le CD, hein, je n'aime pas trop. Je suis une artiste de scène. J'adore faire la musique live. J'adore être avec mes musiciens. J'adore quand il y a un public. Pour moi, c'est primordial. Et je vis aussi de ça. Et ça ne me manque pas, j'ai envie de dire, autre chose. Et j'ai envie de continuer comme ça. Parce que il y a des sons qu'on ne peut pas trouver. Je ne pense pas qu'on peut les traduire dans le digital. Ah bon? Oui, je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y a pas mieux de chanter en live. Et d'avoir, je cherche un... J'ai l'impression que la musique, elle perd son âme dès qu'elle passe dans les machines. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Tu veux dire qu'il faut vivre. Ah oui, bien sûr. Avec le public et toi, J'ai besoin de cette relation avec le public, bien sûr. Après, c'est vrai que quand on n'a pas le choix, on est obligé de passer par ces machines. Mais bon, l'idéal, peut-être que je suis un peu à l'ancienne, mais l'idéal pour moi, c'est, voilà, tu es un artiste, tu as une guitare, tu as un public et tu joues. As-tu des hobbies? Oui, j'adore le jardinage, j'adore les plantes. Ah. C'est formidable. J'adore les plantes, j'adore la cuisine, j'adore cuisiner. Ah, tu fais la cuisine alors? Ah oui, j'adore ça. Oui. Et... Comment tu passes une journée? Ah non, il faut moi 3 cafés. 3 cafés, bon. 3 cafés pour m'éveiller. Ah oui, voilà. Après je lis un peu la presse. Oui. Après je m'occupe de mes enfants, j'emmène ma fille à l'école. Tu te promènes? Ah, j'adore me promener, oui. J'adore, surtout quand il y a la nature. Moi, je ne suis pas très urbaine. J'adore les forêts, quand je suis en déplacement, s'il y a un village, j'adore. J'adore la vieille pierre, j'adore visiter les villages quand je peux. Je vois que tu es en forme. Est-ce que tu fais du sport? Je fais quand je peux. Je cours tout le temps. J'adore le sport, mais j'étais très sportive quand j'étais jeune. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais j'aimerais bien reprendre. Merci beaucoup, Swat, pour cette... On se reverra
à Istanbul. À Istanbul, oui, peut-être, oui. Bon. Shukran. Merci. ارسم لي دار بدواقي كبار باش رحمة ربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسر ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيت يابا هذا يغمز وهذا يسلم البارح شفتك في المنام وبنص جدي فوق كل جار داير بك الحمام وكلمة الحق خارجة من فمه أرسم لي بحر ما يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفارق دموع يمال الممات تحرق أرسم لي حباب في غفلة راحت نسمة العشية حصت تودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دبت البارح شفتك في المنام وبنص جدي فوق كتفك كل ديار داير بك الحمام كلمة الحق خارجة من فمه أرسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الأرض ما مرة بالورد ودراي صغار تجري وتلعب أرسم لي بلاد من الشرق للغرب وأرسم ويدان تجري فيها الناس حفيانة تمشي فوق دهب واشتقت اللي يرويها رسم لي تبسيمة سيل عربي كرهت نشوف الدل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي أرسم لي بلاد مرسمها فنان رسم لي تبسيمة سيل عربي كرهت نشوف الدل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي أرسم لي بلاد مرسمها فنان Sevgili seyirciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bordo'daydık, Suat Massi ile birlikteydik. Aramızda müzik vardı. Sizin de aranızda sınırlar değil, sevgi, hoşgörü, müzik ve sanat olsun. Hoşça kalın.